Prendre des risques, peut se permettre de gérer avec un score nul, même si c'est extrêmement dangereux. Ouais, attention avec la lutte, il est passé devant. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score, c'était bien fait de Cabananga. Troisième but en trois matchs pour l'attaquant quasiment sur la première réelle occasion de la RDC. La première réelle offensive. Regardez cette communion avec le public. Et les Léopards qui prennent l'avantage, 1-0. Oh, il a fait parler la puissance. Cabananga sur ce duel pour rester sur ses appuis, pour pénétrer dans la surface de réparation. La frappe croisée pour prendre le meilleur sur Mensah. Et regardez, il y a un ballon perdu à l'origine avec Bédou. Et derrière, il arrive à prendre le meilleur. La frappe croisée. Et Mensah qui est battu. La RDC qui mène désormais 1-0. Le duel âpre avec Serge Gakpé. Ouais, Dominé, regardez, on essaie de passer le coude. Il arrive à passer devant Nakabonga pour inscrire ce but. Eh bien, là, c'est quasiment du 100% de réussite. Hein, pour l'instant, sur la première frappe cadrée. La RDC arrêt du ballon, là, Cédric Mensah. Et relance sa formation. Tisserand. Oh, attention. Attention avec ce contrôle. Oh, c'est superbe. Cet enchaînement avec le but de Moubélé sur cette remise. Splendide de Marcel Tisserand. Le contrôle. Et la sortie de Cédric Mensah qui est lobé. Ça fait désormais 2-0 pour la RDC. Et voilà, regardez les sourires. Moubélé qui permet au Léopard d'enfoncer le clou. Oh, il est pas loin. Il est pas loin désormais ce deuxième pied en quart de finale pour les hommes de Jean-Florent Ibengué. Et regardez tous ces jouets très rapidement. Il y a un premier dégagement et une remise en première intention. Pas de position de hors-jeu. Et cette défense qui reste figée. Et notamment Jenny Ortega. Le contrôle. Ah, Moubélé qui a été attentif là sur ce coup-là, qui a été capable de dégainer rapidement, qui contrôle le ballon, le face-à-face avec Cédric Mensah. Et regardez la danse également, la joie de Lei Matampi, 2-0. La patrine d'Emmanuel Adebayor qui transmet, c'est bien fait, le plat du pied. Et voici la réduction de l'écart. Oh, là-bas, qui vient de faire son apparition sur la pelouse et qui relance ce match. 2-1 désormais pour la RDC. Le coaching de Claude Leroy qui permet à son équipe de trouver l'ouverture. Emmanuel Adebayor, hein, dans un premier temps, qui est à la réception de ce centre dans la surface de réparation. Mpoku, c'est frappeux, c'est superbe. Le ballon qui n'est pas rentré. Oh, est-ce que le ballon est rentré? Oui, visiblement, tout de même. Le but qui a été validé sur ce coup franc. Splendide de Mpoku. Ça fait 3-1 désormais pour la RDC. Oh, les jeux sont faits, visiblement. À moins de 10 minutes désormais du temps réglementaire de cette rencontre. Le but de Mpoku. Et encore une fois. Alors attendez, on va revoir sur ce plan. Ouais, c'est rentré très clairement, effectivement, avec l'aide de la transversale. Superbe ce coup franc. Signé Mpoku. Et 3-1 désormais pour les hommes de Jean-Florent Ibengué. Et ça, c'est un coup dur. Ça, c'est clairement un coup de massue.